étant cofondateur du mouvement armé AFC, de concert avec M. Corneille Nanga Yobego, M. Nanga Baseyane Ritex, M. Samafu Makinu Mikez, M. Safari Bishori Luc, M. Nkangia Nyamacho alias Microbe, entretenu des intelligences avec le Rwanda. Commençons par l'identification de ces prévenus. Safari Bishori Luc. Décision de renvoi. Présent. Et décision de renvoi. Mheshimiwa Kanali, Jaji Mkuu wa Gombe, hapa, mbele. Pesa biso bakombo na yo. Kwa majina naitwa Safari Bishori Lik. Kombo na ye abengami Safari Birori. Shori Lik. Safari Bishori Rike. Lik. Obotama wapi? Mukoloni nsanjani mbula nini? Nilizaliwa Jomba, Kabindi. Nilizaliwa Jomba, Kabindi. Abotamaki, Jomba, Kabili. Kombo ya tata? Trajambo Walushi. Kombo ya papa na Trajambo Kambuzi. Azabo Moi. Il est vif, anaishi. Azaa Mubimba. Kombo ya mama. Chingeneye Sara. Mboka na, kombo ya mboka naoni. Natoka ndani ya territoire de Rutshuru. Mboka na e territoire ya Rutshuru. Chefferie de Bwisha. Chefferie ya Bwisha. Groupement de Jomba. Groupement de Jomba. Localité Kabindi. Localité Kabindi. Province Nord Kivu. Province ya Nord Kivu. A Goma. Goma. Moussani Nosalaka. Profession. Niko Mwalimu. Atangi Saka. Azamolakis. Osaba Classe Boni. Nico licencié en management des ressources humaines. Azali licencié en management. Je suis licencié en management des ressources humaines. Azali licencié en management des ressources humaines. Si autant en français, licencié en management, c'est beaucoup. Exact. Vous avez préféré Osamba na Swahili pendant que vous avez beaucoup étudié. Nous pouvons aller en français, il n'y a pas de souci. Licencié en management, entre nous soit. C'est beaucoup. Finalement, la langue de votre choix, c'est laquelle? C'est laquelle? Étant licencié en management. Le Swahili fait partie des quatre langues. Monsieur le Premier Président, avec votre autorisation, mon client, même lors de son audition devant l'auditorat, avait fait ses déclarations en Swahili. Il est très à l'aise en Swahili. Nous sentons que de l'autre côté, avec l'interprète qui a été commis d'office, on sent certaines difficultés, parce que même nous qui sommes Swahili, on sent des difficultés. Voilà pourquoi nous estimons qu'il va falloir changer d'interprète ou de traducteur. Parce que là, on sent beaucoup de difficultés. Ce que mon client dit n'est pas fidèlement traduit par la personne qui a été commis d'office. Nous sommes juste au niveau de l'identification. Voilà. Ça se passe bien. Monsieur le Président, nous sommes en matière pénale. En matière pénale, on doit fidèlement identifier la personne qui comparaît devant la cour. Écoutez, maître, ne cherchez pas à tirer midi à 14. Nous avons trouvé cet interprète. Monsieur le Président, nous n'en disconvenons pas. Avec beaucoup de peine. Il est là. Bah avançons alors dans des circonstances comme ça. Vous voudrez à ce que l'on puisse changer notre interprète présentement là. Loba na monokopona qui soit. Attends, vous licencié en management, problème est atteint. Loba na Swahili. Nous avons un interprète.
Osaba classe bonne. Nilisoma licence management des ressources humaines. Tangaki na licence management des ressources humaines. Obala état civil. État civil Nico marié à Elisabeth Maombi. Papa bana boni. Watoto tano. Abalaki azana bana 5. Osambela wapi? Votre culte. Catholique. Osambela na catholique. Antécédent judiciaire connu. Mabe osa mabe osa boloko natam na kalaou pour me dire. Apana. Donc aucun antécédent judiciaire. Votre adresse actuelle. Naishi Goma. Avandi na Goma. Commune de Karisimbi. Commune à Karisimbi. Non, écoutez, votre adresse actuelle, c'est-à-dire ici qu'on fendi présentement. Ce qui bazo lukayo. Bakuto wapi? Alobi afandi na Goma, afandi na Kishasa te. Goma, adresse exacte zani. Goma. Balabala nini numéro ni. Veni balabala. Mimi naishi Goma. Avandi na Goma. Commune de Karisimbi. Commune ya Karisimbi. Avenue Gakuba. Sans numéro. Numéro 100. Bila numéro. Numéro exact. Bien, merci. Tous les camos sont. Prévenu, monsieur Samafou. Matinou Nikaise. Présent. En quelle langue voudrez-vous échanger avec la cour? Lingala. Je vais sur ma combo dans Samafou Makinu Nikez. Obotama na colonie ni Sanjani Mbulani. Nabotami le 24 décembre 66. Combo ya papa? Samafou Marcel. Azabo moi. Teakufa. Combo ya mama? Poumoy Germaine Marthe Akufa. Marié, père de 7 enfants. Zéla. Kombo Ambo Karabino. Vous êtes originaire de quel village? Ndana. Chefferie ou secteur? Oui, chefferie, secteur, c'est Ndana. Non. Bakomia ou village Ndana. Ouais. Secteur de Mwanzasalu. Zayango? D'accord, oui. Mwanzasai. Territoire Ninyam. Territoire de Bagata. Territoire de Bagata. Province. Kwilu. Osaba classe boni. Gradué en sciences biomédicales. Boutang ba classe bele, bolingi kakaba volant national. C'est pas un problème. J'ai 3 en sciences biomédicales. État civil. Marié, père de 7 enfants. Bataire. Avec combien d'enfants? 5 enfants. Osambe la Wap. Assemblée des saints. Osa Boloko Nakala. En tout cas, la Osa la Boloko te. Vos antécédents judiciaires connus. Adresse Nayo, Banda Ofan da Wap. Adresse actuelle Nazanandolo. Adresse Psycho Bandai Kofanda. Avenue Loa, numéro 150. Commune Kinshasa. Bien, merci. Prévenu, monsieur Nkuba, chez Bandou Eric, alias Malembe. La langue de votre choix. Bien, merci. Veuillez nous décliner vos identités. Comment vous appelez? Kuba Chebandu Eric Alembe. Votre lieu et date de naissance? Je suis né à Kibati le 24 avril 1970. Le nom de votre père? Bikai. Est-il en vie? Il est décédé.
le nom de votre maman? Nyambura Dorcas. De l'envie? Oui. Vous êtes originaire de quel village? Je suis originaire de Kibati. Secteur? De Wanyanga. Territoire? Walikale. Province? Du Nord Kivu. Profession? Libéral. Votre niveau d'études faites? Votre niveau des études? Vous avez quel niveau d'études? Gradué en management. Gradué en management. État civil? Marié. Et père de combien d'enfants? 6 enfants. Votre culte? Je suis chrétien protestant. Avez-vous des antécédents judiciaires connus? Aucun antécédent. Votre adresse, les coordonnées de votre adresse? Je suis domicilié à Nairobi, dans le district de Mbakasi, Komaro, Fesfo, numéro 222. Si vous pouvez vous répéter. Ville de Nairobi. Ville de Nairobi. District de Mbakasi. District de Mbakasi. Oui. Oui. Allez-y. Le quartier c'est Komarok. Quartier c'est Komarok. Komarok. Quartier au Maroc. Oui. Au Maroc. Oui. Au Maroc. L'avenir c'est Fès. On ne dit pas avenir, on dit Fès. Fès faux. Donc phase 4. C'est en anglais. Fesfo ou Fancard? Fesfo. Oui. Oui. Le numéro c'est 222. Numéro 200. Fesfo, numéro 222. Voilà. Prévenu Nkandia Nyamacho alias Malembe. C'est vous. Prévenu M. Nkandia Nyamacho alias Microbe. Naitwa Nkandia Nyamachabo Microbe. Ah, c'est mal écrit. Aina Nkandia, c'est pas Nkandia. Apa, ni un. Veuillez. Kuko aime pas Nkandia. Et non N. M, apana N. M, c'est comme Mike. M, ouais. M. Nkandia. Prévenu, monsieur. Nkandia. M. 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 Qui précède K, comme yeah. Kilo. De. Nkandia, Nyamacho. Nyamachabo. Sio Nyamacho. Veuillez corriger. Nyamachabo, Microbe. Nyamachabo, alias Microbe. Ndiyo, Microbe. Alias Microbe. Apana, sio alias. Microbe ni jina lenye nilipewa shuleni. C'est alias Nyamachabo Microbe. Ndiyo, Microbe. Nkandia Nyamachabo Microbe. Voilà. Où étiez-vous né? La langue de votre choix, c'est laquelle? Nilisema nitasamba na Swahili. Alubaki ya kosamba na Swahili. Bako, apesa biso bakombo na ye. Majina yangu naitwa Nkandia Nyamachabo Microbe. Benga bila, Nkandia Nyamachabo Microbe. Abotami wapi? Nilizaliwa Kipupu. Abotamaki na Kipupu. Sanja mkoni, sanja ni mbula nini? Tariki moja ya mwezi wa ine, mwaka wa elfu moja, mia kenda na makumi kenda. Talizi. Sema. Tariki moja. Bota magile le premier.
mwezi wa ine na sanza ya kate avril mwaka wa elfu moja mia kenda makumi kenda 1990. Voilà. Kombo ya papa. Kombo ya papa na ye. Baba anaitwa Nyamachabo Abengwa. Papa na ye abenga mina kombo ya Nyamachabo Abengwa. Amekwisha kufariki. Asia kufa. Kombo ya mama. Mama alikuwa anaitwa Tuba Nyasa, naye amekwisha kufariki. Kombo ya mama na ye abenga mina Tuba Nyacha, asia kufi. Kombo ya mboka na ye. Mugini yetu inaitwa Kipupu. Mboka na ye Kipupu. Secteur ya Itombwe. Secteur ya Itombwe. Territoire ya Mwenga. Territoire ya Mwenga. Province ya Sud Kivu. Province ya Sud Kivu. Asali ba classe boni. Nilisoma masomo niko gradué mu développement rural. Azali gradué à développement rural. Dis-moi, on a inversé. Bon, Moussani na salak. Sina kazi. Azala Moussalate. État civil. Ninaoa. Mke wangu. Asia Bali. Mke wangu anaitwa Mawazo Chirezi. Mawazo Kinundu Chirezi. Asia Bali kombo ya mwasi na ye Mawazo Kinundu Chirezi. Mawazo Kinundu Chirezi. Papa bana bono, za bana bono. Niko na batoto saba. Azala bana seti. Asia sala boloko. Sijawahi kufungwa. Nawe bakangai te. Asambe la wapi? Na shiriki kanisa la mitume neo apostoliki. Neo apostoliki. Adresi na ye. Afanda wapi? Naishi katika jiji la Baraka. Afandi la Baraka. Vile ya Baraka. Vile ya Baraka. Komine ya Baraka Centre. Komine ya Baraka Centre. Quartier Kibonjwa ya pili. Quartier Kibonjwa ya mibale. Hakuna avenue. Avenue zate. Bien, merci. Je crois que tout... Oui, les cinq prévenus. Permettez, monsieur le président. Je voudrais profiter de l'occasion pour acheter ma compagnie. Oui, vous pouvez le faire. Maître Kivurunga Lingali Juvenal, je comparais pour le compte de. J'assiste le prévenu Kuba Chemam Chebandu Eric, également le prévenu Kangia Nyamakio. Vous avez fini? Oui, monsieur le président. Bien, merci. Cinq préfets. Cinq décisions de l'ombre. Bon, à présent, nous allons à la cour accorder la parole au greffier pour nous donner lecture des différentes décisions de renvoi ayant saisi la cour militaire de Kinshasa-Gombe. En commençant par ceux qui sont en détention. Si vous pouvez commencer par la lecture de la décision de renvoi à charge du prévenu M. Nkuba Chebandu Eric alias Malembe. Oui, votre honneur, pour le prévenu Nkuba.
celui-ci a deux préventions. La première, s'être rendu coupable de trahison, notamment par l'effet d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo ou pour lui en procurer le moyen. En l'occurrence, cette, dans le différent territoire de la province du Nord Kivu, sous occupation du mouvement politico-militaire armé dénommé Alliance Fleuve Congo, AFEC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars M23 en sigle, sans préjudice des dates certaines, mais au courant de l'année 2023, à ces jours, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, étant cofondateur du mouvement armé AFC, de concert avec M. Corneille Nanga Yobego, M. Nanga Baseyane Ritex, M. Samafu Makinu Mikez, M. Safari Bishori Luc, M. Nkangia Nyamacho alias Microbe, entretenu des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère et avec ses agents, notamment le dirigeant du M23, afin de déclencher ou d'entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo. Est prévu et puni par l'article 182.1 du Code pénal ordinaire, livre second. Deuxième prévention. Avoir participé à une violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. En l'occurrence, avoir dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, sans préjudice des dates certaines, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, participer au mouvement insurrectionnel dénommé Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars, M23 en sigle, en occupant à force ouverte de pans de terre dans le territoire de Niragongo, Masisi, Rutshuru et Lubero, en provoquant de rassemblements des insurgés par le meeting, en se substituant à l'autorité de l'État, en instituant une police et en organisant une administration du territoire, en s'emparant d'armes et munitions de forces loyalistes, en organisant le dit mouvement. Fait prévu et puni par les articles 136 et 139 du Code pénal militaire. Pour le prévenu Nkangia Nyamacho alias Micro, lui aussi a deux préventions. La première, s'être rendu coupable de trahison, notamment par le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo ou pour lui en procurer le moyen. En l'occurrence, s'être dans la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo, sans préjudice des dates certaines, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, étant membre du mouvement armé FC, de concert avec M. Corneille Nanga Yubeloa, M. Nanga Baseyane Rutes, M. Samafu Makinu Nikez, M. Nkuba Chebandu Eric alias Malembe et Safari Bishori Lik, entretenu des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère, et avec ses agents, notamment le dirigeant du M23, afin de déclencher ou d'entreprendre les hostilités contre la République démocratique du Congo. Fait prévu et puni par l'article 182.1 du Code pénal ordinaire, livre second. Deuxième prévention. Avoir participé à une violence collective de nature à mettre en péril
les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. En l'occurrence, avoir à partir de la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo, sans préjudice des dates certaines, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, participer au mouvement insurrectionnel dénommé Alliance Fleuve Congo, AFEC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars M23 en sigle, en provoquant des rassemblements des insurgés par le recrutement. Fait prévu et puni par les articles 136 et 137.4 Code pénal militaire. Pour le prévenir, M. Samafu Makinu Nikes. Celui-ci aussi a deux préventions. La première, s'être rendu coupable de trahison, notamment par le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo, ou pour lui en procurer le moyen. En l'occurrence, s'être, à partir de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice des dates certaines, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, étant membre du mouvement politico-militaire armé dénommé Alliance Fleuve Congo, a fait un cible, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars, M23 en sigle, de concert avec M. Corneille Nanga Yobelo, M. Nkuba Shebando Eric, M. Nanga Baseyane Brutes, M. Safari Bishori Luc et M. Nkangia Nyamacho alias Microbe, entretenu des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère et avec ses agents, notamment le dirigeant du M23, afin de déclencher ou d'entreprendre les hostilités contre la République démocratique du Congo. Fait prévu et puni par l'article 182.1 du Code pénal ordinaire, livre 2. Pour le prévenir, Safari Bishori Luc. Première prévention, s'être rendu coupable de trahison notamment par le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo ou pour lui en procurer le moyen. En l'occurrence, s'être dans les différents territoires de la province du Nord Kivu, sous occupation du mouvement politico-militaire armé dénommé Alliance Fleuve Congo, AFEC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars, M23 en sigle, sans préjudice des dates certaines, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, étant membre du mouvement armé AFEC, de concert avec M. Corneille Nanga Ibelo, M. Nanga Baseyane Rutes, M. Samafu Makinu Nikes, M. Nkuba Shebando Eric alias Malembe et M. Nkangia Nyamacho alias Mikro. Entretenu des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère et avec ses agents, notamment le dirigeant du M23, afin de déclencher ou d'entreprendre les hostilités contre la République démocratique du Congo. Fait prévu et puni par l'article 182.1 du Code pénal militaire, plutôt du Code pénal ordinaire, livre second. Deuxième prévention,